what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai enfin fait ma couleur ce matin. Ça fait du bien, hein, de prendre un peu soin de soi. Hein, du coup, ben, j'ai eu envie de me maquiller et de ressortir le rouge à lèvres rouge. Alexa, stop! Alors, ce matin, ce que j'ai fait un gâteau. Parce que comme je vous ai dit hier, il y a Kim qui vient cet après-midi. Enfin, elle vient pour 13h. Donc, pile poil pour le dessert. 13h30, elle m'a dit. Et puis, c'est l'anniversaire de son chéri. Donc, du coup, j'ai fait un gâteau. J'ai fait un cake. Alors, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est un cake à l'orange et à la crème. Voilà, donc là je vais pouvoir le sortir et puis ensuite je vais préparer aussi le repas pour ce midi. Ce midi c'est du poulet pané gratiné au parmesan. Alors c'est une recette pareille qui est déjà sur le blog, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous souhaitez. Sinon quoi de prévu? Logiquement bah, une fois que Kim est parti, on va attaquer le meuble, voilà. Alors, on va sortir son gâteau. On essaie de passer brûler. Donc, je l'ai sorti, je l'ai démoulé. Je vais attendre qu'il refroidisse et ensuite, je vais faire le petit glaçage. Là, je vais m'occuper du coup de mes escalopes. Au fait, bon 1er mai, on est le 1er aujourd'hui. Donc, bonne fête du travail. Rien de prévu aujourd'hui. D'habitude, on va porter du muguet, mais là, voilà. Donc, du coup, en plus, quand j'ai vu, franchement, les prix, ils sont exorbitants. Je trouve pour un brin de muguet, c'est abusé. D'habitude, j'en ai au potager, donc je fais des petites compos, des petits trucs pour pouvoir aller emporter. Mais. Là il a pas poussé. Il est pas encore fleuri. Bon il va venir hein, mais pour l'instant il n'y a rien du tout. Je pense qu'il a fait trop froid. Donc du coup il est un petit peu hiberné. Il a du mal à sortir ses petites clochettes. Mais bon j'en profiterai après. J'adore le parfum du muguet. Ça sent trop trop bon. Et ma maman est pareil. Donc du coup je pense que c'est ça. Parce qu'à chaque fois elle avait un savon au muguet ou un truc comme ça. Donc c'est marrant, hein, il y a des odeurs comme ça qui nous replongent un peu en enfance. Allez, je vais finir du coup mes escalopes. Alors les escalopes de ce midi, en fait, c'est des escalopes qu'on panne, un peu comme des escalopes très classiques, quoi, en fait. Donc un peu de farine dans l'œuf avec un petit peu d'ail et du sel. Et ensuite dans une chapelure, mélange chapelure et parmesan. Et il y a des épices italiennes aussi sur le poulet. Et ensuite, on met ça dans le four. On le fait cuire, donc on pourrait le faire cuire à la poêle, mais moi je le fais au four. Et ensuite, une fois que le poulet est cuit et que la panure est un petit peu croustillante, on ajoute de la sauce tomate, donc une sauce tomate cuisinée, celle que vous voulez, un peu de mozzarella et on fait regratiner le tout dans le four. C'est très bon et c'est très simple à faire. Ah, ça y est, donc les escalopes elles sont dans le four, il n'y aura plus qu'à mettre la sauce. Avec ça, je vais servir des pâtes... Alors je vais faire des pâtes à l'ail, donc avec de l'ail dedans et un peu d'huile d'olive. Je sais pas si ça va plaire à Greg, mais au pire il me restera de la sauce dans le pot. Parce que Greg les pâtes il faut qu'il y ait de la sauce quoi en fait. Donc comme il n'y en aura pas beaucoup avec les escalopes, je me dis il en restera sûrement dans le pot. Au pire il les mélangera avec ses pâtes pour avoir des pâtes, voilà, pas des pâtes blanches. Bon, même si pour moi c'est pas vraiment des pâtes blanches parce qu'il y a quand même un petit truc qui enrobe les pâtes, hein, mais bon. Je sais que c'est pas trop son truc. Je vais aller chercher de quoi emballer le cadeau du chéri de Kim. Laisse emballer. Hop là. Pour être sous déballé tout à l'heure. Hop. Ça va être à monter. Ça aussi. Et ça, je vais ranger. Je pense que là, je vais faire mon cake pour ce soir. Ce soir, je fais un cake cumin olive. Bacon Gouda. Donc je pense que je vais le faire comme ça il sera froid pour ce soir. Puis ça sera fait comme ça si on est occupé, ben, le repas sera déjà prêt. Je suis en train de me demander où est-ce que je vais mettre mon étagère. En fait je l'aime bien donc j'ai pas envie de la virer. Mais en même temps alors je pense que je vais peut-être la remettre là où elle était avant. Je sais pas trop. Et avant elle était là. Donc je vais peut-être la remettre là. Et du coup, enfin voilà, il faudrait que je bouge tout, que je trouve une place pour ça. Alors ça, je sais, je pourrais le mettre là-bas. Et je pense que le miroir, il passera à côté parce que du coup, le meuble, il est plus petit. Faut que je vois, faut que je teste.
Bon, déjà, on va le faire, puis après, on testera. Ça ou après, je le monte dans une chambre. C'est possible aussi. En plus, ça va avec, comme toute la déco, enfin, les meubles sont pratiquement tous à chaque fois, comme dans ma chambre ou quoi. Vous avez déjà vu, hein, c'est déjà, c'est blanc, enfin, c'est dans le même style, quoi, en fait. Donc, du coup, ça choquerait pas. À voir. Bon, allez. Cake salé, bacon, cumin, olive et gouda. Je prépare les ingrédients. Alors, c'est une recette que je vous avais déjà partagée il y a longtemps, mais qui n'est pas sur le blog. Donc, je vais le refaire avec vous. Et puis, je la mettrai sur le blog, comme ça. Ça peut donner une petite idée. La recette, c'est très simple. Je prends un bol. Alors, moi, je le fais avec mon kitchen. Vous pouvez le faire directement au fouet. Hein. Il n'y a pas vraiment... pas besoin de travailler très fort la pâte, quoi, en fait. Donc, j'ai pris un bol. J'ai mis 180 g de farine, une pincée de sel et une cuillère à café de levure. Dedans, je vais ajouter, donc on fait un petit puits, si on le fait au fouet, là il n'y a pas forcément besoin parce que je le fais au robot. On va y glisser du coup, dans ce petit puits, 5 centilitres de... Alors, il va falloir que je prenne un truc pour mesurer. Et pouf, pouf, j'ai jeté mon petit bol parce qu'il tenait plus très bien, mais du coup... C'est ce que je vais faire. J'ai plus qu'un pichet, enfin j'en achète un deuxième. Hop. Donc il me faut 5 centilitres ou 50 millilitres d'huile d'olive. Donc hop, on verse au milieu et on va ajouter 3 œufs entiers. Oui, en fait j'avais un deuxième petit verre comme ça, c'était un verre que Kimberly m'avait ramené, qu'elle avait eu. Vous voyez, c'est les verres maintenant pour éviter d'avoir des verres en plastique quand on fait des manifestations. Ils donnent des verres en fait qu'on va re-remplir à chaque fois. Donc elle avait eu un verre comme ça, il était bien, il était gradué et tout, et je m'en servais pour justement mesurer. Et en fait là la force, je sais pas, il gondolait, il tenait plus droit, quoi, en fait. Donc je l'ai jeté, mais du coup il me manquait un truc parce que quand je dois peser, enfin mesurer de liquide, il me manque un... Il me manque, quoi, en fait, le petit verre. J'aurais dû attendre avant de jeter, en fait. Alors, du coup, là, j'ai mes 3 œufs. Là, on va commencer à mélanger. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire au fouet. Et on va ajouter 10 centilitres de lait. Donc, 100 millilitres de lait. En fait, je mélange et j'ajoute en même temps... Et on mélange bien pour avoir une pâte lisse. Ensuite, on ajoute... Alors, si vous pouvez utiliser soit des graines ou soit de la poudre. Si vous utilisez des graines, vous ajoutez une cuillère à café. Si c'est de la poudre, une demi de cumin. Hop. Et on va poivrer un petit peu et on va remélanger tout ça. Donc là j'ai ma pâte qui est faite, donc je vais ajouter à peu près 200 g de gouda coupé en petits morceaux, 100 g de bacon, des lardons là de bacon et puis des olives vertes, à peu près 100 g. J'ai partagé une photo sur Insta et on vient de me demander quelle couleur j'avais fait, donc je pense que je risque d'avoir la question ici aussi. Donc je vais vous montrer la boîte. Alors c'est Poly Palette et c'est la numéro 657, c'est Tentation de Cannelle. C'est en fait, alors moi j'aime bien faire sans ammoniaque et une couleur qui s'en va en fait, ça tient 8 semaines. Et après ça s'en va, ça s'estompe tout seul, quoi, en fait. Mais c'est vrai que je pourrais passer à une couleur un peu plus, enfin permanente, quoi, en fait. Avant je le faisais pas parce que j'avais pas forcément beaucoup de cheveux gris, mais là il commence à bien arriver. Donc du coup, voilà, ça serait peut-être utile de faire une permanente. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec les permanentes, j'ai tout le temps peur, comme j'aime bien changer, j'ai tout le temps peur de devoir rester tout le temps avec la même couleur, quoi, en fait. Ou passer par le coiffeur pour pouvoir, voilà, donc du coup... Bon, allez, je vais rajouter du coup mes olives, mon bacon. Voilà. Et moi, j'aime bien faire les cakes dans des moules comme ça... carré, après je les coupe en carré comme ça au lieu de les couper en tranches. Donc là ça va partir au four à peu près 30 minutes 180 degrés, enfin dans un four préchauffé à 180 degrés. 30 minutes, ça dépendra aussi si vous faites un cake ou si vous faites comme moi sur une plaque. Le fait qu'il y a moins d'épaisseur, ça va cuire plus vite, donc vérifiez avec un point d'un couteau. On va manger. Il manque un petit peu de lumière à ma... Voilà, c'est mieux. Donc je vous montre, donc du coup les escalopes, donc escalopes panées avec un peu de sauce tomate et de la mozzarella sur le dessus. Puis les pâtes que j'ai fait, donc pâtes à l'ail, en fait je les ai fait cuire à l'eau, quoi, en fait, comme on fait d'habitude. Et j'ai rajouté de l'ail frais revenu dans un petit peu de cette huile là. C'est une huile à l'ail que j'achète
Sinon, franchement, elle est bonne. Elle a un bon goût d'ail. Puis au niveau de la compo, elle est voilà, c'est de l'huile de... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est une huile végétale avec des morceaux d'ail en fait dans le fond. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits... voilà. Alors après, je sais, hein, on peut la faire maison, hein, mais voilà. Et j'ai rajouté un petit peu de persil aussi dedans. Enfin, je... Et alors si, comme j'ai dit à Greg, si ça lui va pas, il me reste la sauce avec que j'ai mis sur les escalopes, il mélangera avec, il va goûter, et puis nous, je sais qu'on aime bien comme ça, enfin même les enfants, avec un peu de fromage. Allez, on va manger. Alors il est tôt, mais Kim vient tôt, donc du coup il faut qu'on mange tôt. Il est midi. Voilà, le cake était cuit, donc j'ai sorti du four, je l'ai coupé en petits carrés. Tu t'en sors, Pépère? Vas-y, encore un petit peu. Il essaye d'ouvrir la porte avec son pied, avec sa patte. Voilà, donc je l'ai coupé en carré. Je vais le filmer, je vais le mettre dans le micro-ondes. Je vais pas le mettre au frigo, je vais le mettre au micro-ondes. Il est encore un peu chaud. Je me souviens pas si je vous ai montré le cake une fois que je l'avais décoré. Alors j'ai juste mis le glaçage dessus et j'ai mis quelques tranches d'orange confite sur le dessus. Alors le glaçage, c'est du sucre glace, des zestes d'orange et du jus d'orange. Voilà. Mais comme je vous ai dit, je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, alors on va aller se boire un petit café en attendant que Kim arrive. Et puis peut-être que je vais aller m'occuper de mes plantes aromatiques. Le temps de... Ou je vais peut-être aller répondre à vos commentaires. Parce que elle va pas tarder à arriver. Donc ouais, je vais plutôt faire ça. Kim est venue. M'a porté mon petit brin de bonheur. Du coup, on a offert le cadeau à son chéri qui était très content. Bon, alors, il est 15h. On va aller jusqu'à Famille Flora. On va aller voir pour les galets. Puisque Greg voudrait le faire cette semaine. Il dit comme ça, il les aura. Mais à mon avis, ça sera fait demain. Tel que je le connais, il va vouloir le faire tout de suite. Surtout qu'on va pas en avoir longtemps. Pour longtemps pour le faire. Et puis ça va empêcher Marley dans la gadoue. Quoi? Ça sera pas fait aujourd'hui? Non, j'ai dit demain. Ah, oui, à mon avis, il y a des grandes chances. Non, parce qu'aujourd'hui, je voudrais commencer le meuble aussi après en rentrant. Donc le repas pour ce soir il est fait. Hop. Ouh, ça vibre. Tu m'as ramené mes chaussures? Ah ouais, alors. Donc oui, alors on voudrait aller chercher les gros galets pour pouvoir les mettre. Comme ça, ça va empêcher Marley d'aller dans la gadoue. Parce que quand il pleut... Alors on a l'avantage, nous, c'est qu'avec le faux gazon, franchement... c'est nickel parce qu'il y a les pattes mouillées, il n'y a pas de gadou en fait, donc il salit pratiquement pas la maison. Mais quand il va dans ce parterre là, hein, c'est, en plus c'est de la terre molle parce que on la remplit nous-mêmes en fait avec du terreau. Donc hein, t'aimes bien aller dedans faire des gros trous, hein? T'as tout bousillé, n'empêche. Bon, après on devait le refaire, donc c'était pas trop grave, mais donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des galets. On va attendre un petit peu avant de remettre des petites fleurs. Hein? Le temps qu'il s'y fasse, qu'est-ce qu'il fait? Tant qu'il s'y fasse et qu'il va plus creuser. Et en espérant que les galets vont t'empêcher d'aller. Hein? Allez, go, on y va. On va essayer de se... J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce qu'un samedi... Hein? C'est le 1er mai. Oui, bah en plus... Donc les gens peuvent peut-être nous penser que c'est calme. Ah, peut-être. Bon, allez, boire un petit coup. On est rentré. Il y avait du monde. Oh, c'était, mais alors, blindé, franchement. C'était, ouais. Alors, on a été vraiment au plus vite, hein, mais on a quand même mis 2 heures dans le magasin. Voilà, il va falloir peut-être le régler. On a racheté un collier pour Marley parce que le sien, enfin, c'est un qu'on avait acheté quand il était bébé. Et c'est pas qu'il va plus, mais c'était, bah, il faut régler. En fait, il y a des sangles à régler, chérie. En fait, c'était un qu'on avait acheté un peu en urgence. Et Greg dit que quand Marley, il... On l'avait acheté pas cher, quoi, en fait. Et quand Marley, il tire, en fait, le truc, il se desserre et son collier, il s'enlève. Donc, du coup, on en a racheté un bon pour lui mettre. Et on lui a re-racheté un harnais, mais pas avec la grosse sangle au-dessus. Parce qu'en fait, celle-là, on a l'impression qu'elle bouge autour de lui. Donc, on a vraiment pris un truc où on prend les deux pattes de devant. Je pense que c'est pas adapté pour les grands grands chiens, enfin j'en sais rien quoi en fait, mais c'est vrai que ça, et puis il y a des moments du coup il boite, on a l'impression que ça lui fait mal à sa patte ou je sais pas, donc on en a racheté un autre qui va mieux l'emboîter. On laisse ça ici, c'est tout. Donc on a trouvé nos galets, donc on va pouvoir
Ouais, donc on a trouvé nos galets et ouais, il faut bien le, faut tout redesserrer. À mon avis, il était au plus petit. Il se laisse faire en plus. On a trouvé les galets et puis on a racheté des petites fleurs. On a racheté un os pour Marley. Je voulais en acheter plusieurs. En fait, c'est des os spéciaux là. Des gros os de jambon là. Pour chien. Et je voulais en acheter plusieurs. Il n'y avait plus qu'un. Parce que la dernière fois, il nous l'a mangé. Bah alors, hein? Il a resté plus grand chose qu'en fait. Il a mangé tout le croquant et tout. T'as trouvé? Donc on a racheté des petites fleurs parce qu'on n'en avait pas assez. Et en prévision de mon meuble, de mon petit secrétaire, j'ai acheté aussi un pot avec une plante pour mettre dessus. Voilà. En prévision de. Quand je me suis dit que ça ferait beau. Ouais, en fait, c'est vraiment le harnais comme ça, en fait. On passe les deux pattes. Et puis celui-là, au moins, il va pas glisser. Parce que l'autre, en fait, quand il tirait, eh ben, il glisse sur le côté et tout. Il bouge, alors que là, celui-là, il va pas bouger. Ça va être beaucoup mieux. Et il a sorti avec son collier. Et en fait, on voulait aussi la laisse, mais il n'y avait plus en XL. Il ne restait plus qu'en petit. C'est mieux, là? Ça ira mieux? Ils sont moins gênés. Et j'ai pris un truc, je vous montrerai quand il sera monté. En fait, c'est un truc pour mettre sur une table, ça fait une barre comme ça. Il y a un petit dessin, je vais le montrer là sur le petit dessin. Hop là, hop. Alors, ça fait, en fait, vous accrochez de chaque côté de la table et ça fait une barre comme ça. Et vous pouvez mettre des petites guirlandes lumineuses ou ce que vous voulez, des petites décos ou quoi. Donc, je l'ai acheté là pour mettre dehors sur notre table et on va mettre une guirlande lumineuse dessus. Mais je me suis dit que pour Noël et tout, on peut faire des chouettes décos dessus et tout. On a payé 20 €. Alors, j'aurais voulu blanc, mais il n'y en avait pas. Il restait plus que gold et noir. Alors, du coup, j'ai pris gold et je me suis dit qu'au pire, si ça ferait drôle, je vais le bomber et je le mettrai en blanc, quoi, en fait. Mais je pense que gold, ça devrait aller. Ça fait un gold pas or, quoi, en fait. Ça fait... Comme ? Ouais, mais moins or. Donc, ouais, on verra. Bah, il est bien écrit, hein, il est écrit gold. Bon, après, si c'est un blanc, ça me va, mais autrement, c'était que des noirs en fait qui restaient. Bon, après, noir ça peut être joli aussi, hein, mais c'est parce qu'on n'a rien de noir sur la terrasse, donc non, et ça fait un or comme ça, quoi. En fait, ça, je vais pouvoir les jeter du coup. Bon, alors Greg il va aller jusqu'au potager parce que du coup on va pas pouvoir commencer le meuble, enfin il est déjà 5 h passées, donc c'est mort je pense pour aujourd'hui, mais il voulait quand même, il voulait faire le parterre au moins, donc il va aller voir pour avoir ma bêche. Pourquoi il faut de la bêche? Bah j'ai dit je vais enlever un peu de terreau pour Ah bah comme tu veux. Non. Et je vais prendre un bisou plein de rouge à lèvres. Il aime beau. Viens Marley. Viens mon bébé, viens. Il est parti. Ouais, donc il est parti chercher de la bâche comme ça, du géotextile. Comme ça, ça va protéger des petits cruaux, des petites mauvaises herbes qui pourraient pousser entre les galets et que ça risque d'être chiant à décruauder et tout. Donc voilà. Oh, il est triste. Oh, il est triste. On me met, il est parti. Oh. Et mon grand pépère. Hein, je suis rentrée avec le truc, avec un bâton et avec le carton là, il y avait peur. Il allait venir et pour me faire la fête, il y a vu le carton, pouf, il y a eu un moment de recul. Hein? C'est un gros pépère froussard ça. Bon allez, moi je vais faire la fiche recette parce que du coup je l'ai pas fait. Le temps que Greg va chercher ça et puis je vais aussi... peut-être commencer à monter les vlogs. J'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup filmé aujourd'hui, encore une fois. Mais ouais, en ce moment, en fait, soit on fait pas grand chose, soit je suis trop occupée. Et là, dans le magasin, c'est impossible que je sorte mon téléphone. Il y a vraiment trop de monde. Hein? T'arrêtes? Bon, allez. Je vais monter le vlog. Le temps que Greg revienne, je suis un peu à contre-jour. Hop. Ouais, c'est un peu mieux. Donc. Je vais commencer à nettoyer le meuble. En fait, je vais le dégraisser. Enfin, je suis en train de le dégraisser correctement. Souvent, sur des vieux meubles comme ça, les gens utilisent de la cire et ça graisse. En fait, il y a une couche
voilà, qui risque quand on va vouloir le poncer, parce que nous on le ponce avec du à la main, hein, mais avec du papier de verre, du fin, et en fait ça risque de graisser le papier et du coup de pas, on va pas savoir bien le poncer. Donc du coup pour faire ça, j'utilise des cristaux de soude. Et là je viens de le faire, vous voyez, regardez, mon chiffon était propre. Hein. En fait il y a tout. Alors là moi j'utilise ceux-là. C'est un cristaux, c'est des cristaux de soude déjà dilués. Mais quand, enfin avant j'en avais pas, j'utilisais des cristaux que je mettais dans de l'eau, vous voyez, ou de la lessive de soude, ça fonctionne aussi. Mais par contre ne faites pas ça sur un meuble que vous voulez pas poncer, hein, parce que plus ou moins vous enlevez une partie de du vernis aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment quand, si vous voulez poncer un meuble, ça permet de, d'enlever la couche qui est un peu grasse en fait dessus et de pouvoir le poncer correctement. Ne le faites pas, comme je vous dis, sur un meuble que vous voulez laisser en état, parce que vous enlevez un petit peu, regardez-moi ça, hein, vous enlevez un petit peu la couche de la petite couche de vernis, quoi, en fait. En fait, votre bois, comment vous montrer? Ce que je vais savoir vous montrer, il risque de devenir plus clair. Vous voyez, là, je viens de le faire. Là, vous voyez, c'est à... on le sent au niveau des veines, ils sont ressortis. On enlève une petite couche, quoi, en fait. En même temps, donc ça aide au niveau du ponçage aussi. Donc, quand vous avez un meuble qui est verni avant, mais pas. Voilà, comme je vous dis, pas si vous voulez le, vernis, le laisser naturel après. Enfin. Comment vous dire, pas si vous voulez le laisser comme ça. Enfin voilà, moi c'est parce que je vais le remettre en peinture et que je vais le poncer. Si j'aurais voulu le laisser comme ça, je n'aurais pas utilisé ça. N'empêche, il est encore en très très bon état, je suis contente. J'avais peur, c'est qu'au niveau des charnières et tout, que ça soit abîmé et tout, mais non, rien du tout. Pip pip, bu kiki. Greg est rentré. Le temps que je fasse ça, c'était bon. Alors, voilà ce que ça donne. Alors déjà là, on voit, je sais pas si vous le voyez, mais il est beaucoup plus clair du coup. On a enlevé la couche. La couche de cire en fait, et du coup, voilà, il est déjà beaucoup plus clair. Bien. Quoi? Bah, j'ai enlevé la première, j'ai nettoyé en fait. Ah, ouais. Il est plus clair, hein? Il est plus clair. Hein. Puis, on voit, il est moins brillant en fait. C'est. Bah, il était, le chiffon, il est tout noir, et il devait avoir une sacrée couche quand même dessus. Ouais. On va aller voir du coup, on va le laisser sécher, puis comme je vous dis, on le fera demain. Hein? La statue, oui, on va la laisser. Ouais, non, on va la laisser. Ouf, il fait pas très chaud. Hein? Donc en fait, on a un tout petit triangle qu'on avait regardé de terre pour pouvoir mettre des fleurs qui remontent et tout. Et en fait, Marley nous a complètement... Il faisait des... On a l'impression qu'il faisait un tunnel. Un tunnel pour passer en dessous du mur. Tellement que... Donc du coup on s'est dit, on va le recouvrir de galets. Comme ça il n'y aura plus la terre et il n'y aura plus creusé, quoi, en fait. Parce que c'est vraiment le... Parce que c'est de la terre, je pense. Et puis les galets ne nous empêcheront pas parce qu'on avait mis des herbacées. Donc on pourra toujours mettre des herbacées. Il y a la fontaine aussi qui va là aussi. Donc on pourra toujours le mettre et tout, ça gênera pas. Et puis on a pris des gros galets dans les tons beige un petit peu, avec un petit peu de gris et tout. Donc je pense que ça fera pas mal. Je vous montrerai. Je vais laisser Greg finir et puis je vous montrerai. C'est quand qu'on va plus devoir mettre de manteau, hein? Tu y as peur. Tu veux un coup de main? Ouais, ce que ça donne du coup. Alors c'était vraiment un petit triangle là, qu'on avait gardé en terre, quoi, en fait, pour en mettre, ben, tu peux pas. Et celle qui est là, qui est en train de reprendre. J'avais peur qu'elle allait crever, mais non, elle est en train de reprendre. T'as vu, elle est en train de faire le pouce en haut. Il y a qu'une branche qui... Et donc du coup, ben, en fait, Marley, là, on avait des herbacées et tout, mais Marley a tout détruit. Oui, c'est toi que je parle. Et là, du coup, ben voilà, on se dit qu'il va peut-être pas pouvoir y aller. Il va plus pouvoir y aller. Donc on va peut-être attendre avant de mettre les herbacées, qu'ils se fassent au galet, puis après on le mettra. Hein?
Et en fait, là, il y a la petite fontaine et tout qui va là et tout. Oh là là, voilà, fontaine. Greg me dit la petite, elle est pas si petite. Et puis, puis entre deux, il y avait des herbacées, tout ça, et que ça faisait joli, hein, mais voilà, Marley nous a tout mangé. Donc du coup, voilà, on s'est dit, on allait mettre, parce qu'on avait mis des petits, de la paille, là, vous voyez, enfin, du paillage. Mais de toute façon, ça s'en va, ça, il faut tout le temps en remettre tous les ans parce que ça se décompose, quoi, en fait. Et puis là, voilà. Et puis même Luna, il y a des moments, elle allait gratter dans la terre. Là, au moins, voilà, ils pourront plus y aller tous les deux. Puis comme je vous dis, en fait, c'était le seul en... Enfin, quand il y a des moments, il y allait creuser là, on le suivait à la trace à la maison, quoi, en fait. Parce que c'était le seul endroit, on savait qu'il avait été creusé dans ce terrain quand il mettait plein de terre partout. Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir de la terre, il n'y a pas de terre dans la cour. C'est l'avantage du gazon artificiel, quoi, en fait, c'est que c'est mouillé. Soit il y a des pattes mouillées et tout, mais il n'y a pas de gadou, quoi, en fait. Donc ça... Hé, m'attaque du carton. Avec son beau bonnet. En plus, il est mal vite en bonnet. En fait, vous voyez les crochets là, ça fait un truc comme ça qu'on accroche sur le bord de la table. Voilà, et ça fait un bâton avec un autre petit crochet qu'on vient mettre ici. Et il y a cette barre en fait qui vient, donc cette barre comme ça, qui vient au-dessus. Et après, vous décorez voilà, tout autour, vous pouvez faire pendre des choses. En fait, ce que ça donne, donc ça fait un quadrillage. Donc là, nous, on est un petit peu gêné avec le lustre. Mais ouais, et ça passe. Pourtant, on a une grande table et ça passe. Et puis, on peut encore mettre peut-être une rallonge aussi et ça passera encore. Ça peut faire des chouettes déco. On fait des tables pour la thème. Ouais, hein. Moi je pense que même avec une rallonge ça passe. Peut-être pas deux, mais une sur. Ou après, est-ce qu'on arrivera peut-être quand même avec les rallonges, tu vois, malgré qu'il y a le petit truc là. Non, c'est vachement collé quand même hein, quand on met la rallonge. C'est collé à la table. Tu vois, il n'y a pas de jour. Ouais, ça risque d'être sympa. Alors moi, comme là, je vais l'utiliser dehors. Et je vais mettre une guirlande lumineuse dessus. Vous voyez, en jute, là, comme on a dehors. Donc, ça va faire chouette. Mais après, je me dis même pour faire des décos, voilà, des décos à thème ou quoi, ça peut être bien. Ou même pour faire un buffet ou quoi, quand on va pouvoir reprendre une vie normale et refaire la fête. Hein, et recevoir du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes s'il vous voit ou pas? Il y a Angel qui vient de descendre et voilà, il se demande si son fils va le voir ou pas. Oui, parce que vous voyez, même ce genre de truc comme ça, avec des plantes dedans, vous pouvez pendre ça et tout. Enfin voilà, ça, je vois déjà plein de trucs avec. Et oui, et comme je vous disais, quand on va pouvoir refaire la fête, hein, parce qu'on a un truc à fêter cette année. Hein? Ouais, j'ai vu. Ah, il y a un truc à fêter cette année? Ouais, à fin d'année, 18 ans, Angel. Hein? Il y a Luna qui est partie voir aussi là où il y avait les galets. Elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Pourquoi il m'a enlevé mon petit coin de terre? Hein? Elle va plus pouvoir aller creuser non plus. Oh, j'ai froid. Mais c'est grave, quoi, on est au mois de mai, zut. On aurait pu mettre les manteaux, les écharpes et tout. Ça devrait être rangé dans le placard, non mais... Hein? On va manger petit cake du coup avec des crudités, enfin de la salade. En plus on mange froid. À moins que je fais une soupe. Tu veux de la soupe? Non? Ça c'était si qu'il faudrait que je demande ça. Bon allez. On va se réchauffer. Je crois que je vais lui mettre un manteau. Un pull, un manteau, un pull. Moi, j'ai mis ma veste. N'empêche, il est passé vite ce samedi. J'ai eu l'impression de ne pas avoir fait grand-chose du coup. J'avais envie de faire plein de choses et j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Si, j'ai fait un petit peu, mais voilà. Bon, allez, demain dimanche, logiquement demain, on s'attaque aux meubles. Par contre, j'ai fait plein de tâches par terre avec ma lessive de soude. Ouais, je sais, tu me l'avais dit. Oh, pfff. Bon, allez. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. De toute façon, vous avez vu le repas pour ce soir. Puis ça va me permettre de pouvoir le monter et après de prélasser dans le canapé, sous mon gros plaid, devant la télé. Après une bonne douche. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain. Bye, bisous, à demain. Merci.
you're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old.